vous faire une recette sucrée une fois de plus. Donc ce sera des petites tartelettes de pommes en forme de rose, hyper rapide à faire. Pour ça, on a besoin d'une pâte feuilletée, d'une pomme rouge de préférence, de compote de votre choix, de deux bols d'eau et d'un peu de sucre. Première étape, on vient découper notre pomme. Donc moi, j'enlève d'abord le centre de la pomme et ensuite, je viens faire de très fines lamelles de ma pomme, tout simplement. Après, quand je vous dis rouge de préférence, c'est juste une histoire d'esthétique pour la fin, mais après, n'importe quelle pomme fera l'affaire. J'ai coupé ma pomme en fines lamelles, je viens prendre une casserole, j'y mets mes deux bols d'eau, un petit peu de sucre et j'y ajoute mes pommes. Vous pouvez aussi mettre un peu de citron si ça vous fait plaisir. Je mets ça à bouillir quelques minutes jusqu'à ce que les pommes deviennent un petit peu translucides. En attendant, je prends ma pâte feuilletée et je la coupe en 6 bandes. Je prends une bande, j'ai retiré mes pommes du feu. J'étale tout simplement de la compote dessus. Ensuite, je place mes pommes sur le bord en faisant ressortir l'arrondi. Il faut que l'arrondi dépasse de la bande de pâte pour que ce soit au final un joli rendu. Une fois que c'est fait, je replie la bande sur elle-même, puis je viens enrouler le tout. Je place ça dans un moule à muffins histoire que ça tienne plus facilement. Je mets un peu de sucre dessus. Et ça va partir au four pour 30 minutes à 180 degrés. Et voici, cette recette est déjà terminée. C'est super rapide, c'est hyper bon et en plus, ça donne un petit côté esthétique assez sympa. Donc, je vous le conseille pour un petit dessert. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye !